Bonjour, internautatrices et internautateurs, ici Gelden pour les Jeux du Cygne. On découvre aujourd'hui le DLC du jeu Terraformers que je vous avais présenté il y a déjà un certain temps. On vous mettra un petit lien vers la playlist dans la description et puis peut-être bien au niveau de la vidéo. Un petit i en haut à droite. Si tu y penses, mon cher Signe. Donc Terraformers, c'est un petit jeu sympathique, un roguelite. Coucou Mazamara, bienvenue sur le live. Donc Terraformers, c'est un petit jeu, voilà, un jeu de gestion bien sympathique, hein, avec un côté roguelite qui permet de, voilà, un jeu où on enchaîne les parties. C'est des parties qui durent. Allez, on va dire de 2 heures, une partie, ouais, environ 2 heures, 2, 3 heures. Et donc on débloque au fil des parties, on débloque de nouveaux bâtiments, de nouveaux outils de gestion. Et donc ils ont sorti, donc qui est publié, pardon, par le studio Goblins, qui est l'un de nos partenaires fidèles, ou je sais pas si c'est nous qui leur sommes fidèles ou l'inverse, mais c'est un vrai partenariat entre eux et nous. Donc on les remercie fort de nous avoir passé cette clé. Enfin, je les remercie, la chaîne les remercie. Voilà, pour donc vous présenter le DLC qui s'appelle New Frontiers et qui va nous permettre d'explorer, comme son nom l'indique, de nouvelles frontières. Donc c'est le jeu de base avec une couche supplémentaire d'exploration du système solaire, que je vais vous montrer donc sur une partie. Donc le jeu est en français, se joue qu'en solo. Le DLC coûte à plein prix 7,99€, 6,99€, et il est pour l'instant, je vérifie, il est à 6€, il y a 10% de moins. Donc il est actuellement à 6,29€ jusqu'au 1er février. Voilà, si vous avez déjà le jeu de base. D'ailleurs, est-ce que le jeu de base est lui-même en promo? Il y a un pack. Oui, le jeu de base est actuellement à 11,99€. Et il y a un petit pack avec le jeu plus le DLC à 16,45€ actuellement. Soit 40% d'économie. Voilà. Et en plus, cet homme est bilingue, mais que lui manque-t-il au ça? Il lui manque encore beaucoup de choses. Donc, alors je sais pas, mais t'avais déjà vu le jeu de base, Mazamara? J'attends ta réponse. Pendant ce temps, je remontre deux, trois trucs. Donc, il y a une Mars Encyclopédie, hein, qui est vraiment le côté roguelite. Avec voilà, des cartes qu'on va débloquer. Tu connais pas du tout. Ok. Eh ben écoute, tu vas avoir l'occasion de découvrir. Donc au fil des parties, on va débloquer des cartes, donc de nouveaux bâtiments. Ça, c'est tous les bâtiments et projets qu'on peut faire dans le jeu, avec des niveaux de rareté. Hein. On voit, là, il y a des cartes communes. Je ne les ai pas encore toutes. Peu communs. Rare, et j'imagine qu'il y a des très rares aussi. Il y en a encore beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup que j'ai pas débloqué. Non, il n'y a que des rares que j'ai pas débloqués. Des formes de vie, même chose. Hein, il y en a plein à débloquer encore. Et des dirigeants, ceux-là, je pense que je les ai tous. Non, même pas. Je ne les ai même pas tous. Donc, je sais pas s'il y a des conditions de déblocage, mais non, je crois pas. Différents dirigeants, donc, qui vont nous permettre de faire progresser notre style de jeu. Voilà. Donc là, j'ai actuellement une partie donc sur le DLC. Hein. J'ai deux. Alors ça, c'est une partie que j'ai faite il y a 9 mois de cela. Donc j'ai pas arrêté. Là, j'ai une petite partie que j'ai commencé pour voir un peu les différences. Un tutoriel qu'on peut suivre. Le DLC qu'on peut activer ou ne pas activer. Alors, le principe,
quand on lance une nouvelle partie. Donc on a d'abord un niveau de maîtrise qui dépend du nombre de parties qu'on a déjà gagnées. Donc là on voit que je pense que c'est ça qui est indiqué, là j'ai gagné le scénario, on va dire, qui est le scénario de base en difficulté 2. Et j'ai également... C'est que du solo, oui, tout à fait. Alors non, alors j'ai dû le gagner deux fois. Je sais pas trop. Ah non, ça c'est ce que je sélectionne. Donc j'ai dû le gagner en niveau très difficile sur ce scénario de base. J'ai dû le gagner en niveau très difficile également sur le scénario voie bleue, donc qui demande de redonner, de faire une deuxième terre. Donc les objectifs, hein, monter les paramètres de terraformation, les quatre paramètres au niveau 2. Voilà, donc j'ai aussi gagné voie verte au niveau difficile. Donc là, l'objectif, c'est avoir des points de prestige qui correspondent au développement de formes animales, de bactéries ou de plantes. Voie rouge qui nous demande de faire plein de production de ressources. Ce serait pas mal dans la partie que j'ai en cours. Père Astra qui nous demande d'avoir des points spatiaux. Il y a des projets spatiaux qu'on va pouvoir développer au cours de partie. Qui vont nous rapporter des points. Victoire scientifique, on va devoir dépenser de la science et explorer des lieux. Expansionniste, où il va falloir explorer plein de lieux et construire des villes. Et puis donc dans le DLC, on a un nouveau type de scénario où il va falloir faire du développement céleste. Quand tu dis pourquoi il y a encore des cadenas? Parce que... Alors, je vais t'expliquer. Je termine juste ça et je réponds à ta question. Voilà, donc ça, c'est spécifique au DLC qui débloque le développement de corps célestes. Pourquoi est-ce qu'il y a des cadenas? Parce qu'il faut atteindre des niveaux de maîtrise. Donc là, je suis activement au niveau de maîtrise 30, qui se débloque plus ou moins en fonction de ce que l'on a gagné, des parties que l'on a gagnées, de la vitesse à laquelle on les a gagnées. Et donc, voilà, on peut déjà, là c'est un niveau de difficulté injuste, qui nécessite d'avoir au moins un niveau de maîtrise de 28. Le niveau suivant nécessite d'avoir 36 et 45 pour le dernier. Voilà, pourquoi est-ce qu'il y a encore des cadenas? Ah tiens, là il y a un petit localization error, c'est sympathique. Je ne sais pas trop, ça doit être les parties que j'ai déjà gagnées, manifestement. J'ai déjà gagné dans ce mode de jeu-là. Également, Planète Rouge, je vous attends. Et avec oui, d'accord, le meilleur. Ah, vous avez atteint la difficulté la plus élevée. Ah, c'est ça. Oui, c'est trophée bronze, argent, or, platine, en fonction du temps que l'on a mis pour l'emporter avec tel ou tel niveau de difficulté. C'est toujours le même objectif, mais juste en plus dur, exactement. Donc on va voir. Le fait d'augmenter le niveau de difficulté. Attends, un tout petit instant. Oui, donc c'est effectivement c'est en plus dur. On va avoir des attentes qui ne seront pas les mêmes et qui vont faire que. On va voir tout à l'heure hein, quand on sera en jeu, on va avoir un degré d'attente de la population qui sera plus ou moins élevé. Et plus on est en niveau difficile, plus ces attentes vont augmenter rapidement. Et donc ça nécessite qu'on satisfasse ces attentes. Et si jamais le niveau de satisfaction tombe à zéro, et ben, le projet de terraformation de Mars est abandonné et on a perdu la partie. Voilà, il est possible également, donc ça c'est les scénarios de base, on peut faire des parties personnalisées avec... Plus c'est un niveau difficile, plus c'est dur. C'est surprenant, n'est-ce pas? Voilà, on va pouvoir définir des objectifs selon qu'on veut faire une partie plus ou moins longue, avec un niveau d'attente plus ou moins élevé. Voilà. Et un environnement, alors qu'est-ce que ça change? Fréquence des catastrophes naturelles telles que tempête de sable, séisme. Amplitude, voilà, et influe sur la difficulté de la partie. On peut définir des graines si on veut faire des concours à plusieurs, si on veut essayer de faire mieux que les autres, ou bien choper des cartes qui sont sympas, mais bon, les cartes, on va voir que ça
change pas tant que ça. Et il y a des difficultés hebdomadaires. Donc là, c'est si on veut enchaîner les parties avec certaines contraintes et certains avantages, eh bien, on peut le faire. Sachant que manifestement, le reset se fait genre au lundi matin, je pense, si je ne me plante pas. Voilà. Donc, moi, mon objectif, c'est de vous présenter le DLC. Donc, j'ai une partie en niveau très difficile qui est en cours. Je vous la montrerai à la limite. Je vais vous montrer un début de partie et puis ensuite on reprendra ma partie en cours. Comme ça vous montrera une partie un peu avancée. Je vais faire ça au niveau injuste, mais je vais sans doute pas l'avancer plus que ça. Il me dit attention, vous allez débuter une partie dans une difficulté très élevée avec laquelle très peu de joueurs réussissent, carrément. Vous pouvez rejouer tous les scénarios les plus simples à tout moment. Oui. Modificateur tour supplémentaire. Ah, parce que c'est tellement difficile qu'on a des tours en plus. Ah non, le modificateur est quel que soit le niveau de. D'accord, c'est que c'est plus long. D'accord, ça doit être un. C'est spécifique au DLC. Alors j'imagine ceci dit que les apports du DLC sont également disponibles sur les autres scénarios. J'ai pas testé. Mais j'imagine, bah, ça pourrait être intéressant à la limite de regarder. Donc les attentes du DLC se retrouvent sur les autres. Pardon, les. Ce qu'apporte le DLC, on va le retrouver sur les autres scénarios. La seule différence, c'est que voilà, le scénario du DLC, c'est cet objectif-là. Donc c'est développer les corps célestes un certain nombre de fois. Tiens, est-ce que les. Ah oui! Ça aussi, ça intervient dans ce que ça apporte. C'est que quand on augmente le niveau de difficulté, c'est pas juste plus dur, mais les objectifs à atteindre sont nettement plus élevés. Donc là, on voit que si je me mets en niveau très difficile, il faut que je développe 8 fois, alors que si je me mets en niveau injuste, il faut que je développe 16 fois. Donc c'est pas tout à fait. Voilà, ça apporte un truc en plus. Voilà. Donc, bon, je vais me mettre en quoi en... Ah ouais, déjà. Même là, il y en a peu qui sont arrivés. T'as l'alerte à partir de violent. Allez, je vais me mettre en injuste. J'imagine que ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Voilà, petit chargement, c'est très rapide. C'est pas, voilà, c'est pas un gros jeu, hein. Alors, à partir de ça, donc quand on a réussi la partie précédente, alors c'est bizarre parce que je n'ai pas terminé, mais quand on a atteint un certain nombre de points dans la partie précédente, ce qui doit déjà être mon cas dans la partie que j'ai en cours, on a différentes possibilités pour démarrer le jeu. Si on s'est planté à la partie précédente, on n'aura qu'une seule possibilité, ce sera la possibilité équilibrée. Voilà, ça apporte des ressources qui sont différentes au départ. Ça apporte des bâtiments de base qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et bah manifestement aussi, parce que quand j'ai relancé le jeu, on ne me proposait pas les mêmes. Donc il doit y avoir différents types de départs possibles qui vous sont proposés. On en a trois au choix. Ça c'est quoi? C'est scientifique. Qu'est-ce qui m'apporte? Bâtiment qui produit de la science. Les bâtiments adjacents produisant de la science génèrent plus un. Deux projets de plus. Et ça apporte un logement avec 10 de science et 20 de nourriture. Les petits ont raison. Les petits ont raison. J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a un jeu de mots? Je sais pas. Utopique. Plus, alors, moins d'énergie. Hey, coucou Kenton, bienvenue sur live. Oh bah écoute, je suis désolé. Tu as lancé en main, juste. Ah, oulala, mon Dieu. Mon Dieu. Oh, écoute. Désolé pour tes yeux. Ouais, je suis pas sûr que je vais t'excuser. Allez, on va commencer en utopique. La nourriture du titane, c'est bien de protéger les radiations et plus de soutien. Ouais, ça me plaît, mais par contre, on n'a pas de bouffe. On va essayer comme ça. Hop. Donc, ça, c'est le jeu. Est-ce que tu connais le jeu déjà, Canton?
Je sais pas si tu m'avais vu, si tu avais regardé les VO2 que j'avais faites. Donc, alors, présentation rapide de l'interface. On a un peu, d'accord, un peu. On a ici les objectifs de victoire qui vont apparaître. Ça, c'est notre soutien par tour. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si ce soutien tombe à zéro, le projet est considéré comme un échec et on a perdu la partie. On va pouvoir l'augmenter. Enfin, il va augmenter, pardon. Ça, c'est les besoins qui vont augmenter tout seul comme des grands. Et c'est de façon assez aléatoire. Et puis, ben, ça, c'est notre soutien global avec le bonus tous les tours ou le malus selon notre développement. Là, on a nos ressources avec les routes commerciales que l'on verra un petit peu plus tard. Là, on a le niveau de terraformation. Ici, qui apparaîtront plus tard, on aura nos buffs permanents. Bon, on va en avoir un très vite. Timberborn. Ah là 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 là. Je comprends. J'ai jamais essayé Timberborn. Donc, on va avoir un dirigeant qui va nous donner. Tous les dirigeants, en fait, on en a tous les 10 tours. Nous donne un buff passif qui se cumule au fil des. Au fil des dirigeants, et puis ben là on va voir la gestion du tour et nos cartes, nos projets qu'on va pouvoir développer. Et coucou le signe, bienvenue sur le live également. Donc on a différentes régions martiennes et notre ville qui est actuellement installée ici, il va falloir sur laquelle il va falloir placer le QG et les différentes zones qu'on va pouvoir explorer. Donc, notre dirigeant. On en a deux qui nous sont proposés. Alors, on a un dirigeant d'expertise politique avec un petit background qui vous est proposé. Ses compétences actives et sa compétence, sa spécialisation, donc celle-ci, va rester active toute la partie, même après le départ du dirigeant, comme c'est indiqué. Plus deux lorsque l'on fonde une nouvelle ville. Donc, plus deux de soutien par tour. Et elle propose trois buffs actifs. Enfin, trois actions possibles par tour. Donc, l'action d'explorer qui est l'action de base qu'on va retrouver sur les deux. Voilà, qui peut être développée selon la rareté du dirigeant, qui peut être plus ou moins efficace. Lobbying industriel, une ressource d'eau, de titane, de tritium. D'accord. Donc, ça, c'est. Alors, faire l'une de ces actions apprend le tour. Et obtenir un projet gratuit, une seule fois par ville, chaque habitant adjacent fournit plus un soutien partout. Ah, par contre, plus un au confort de vie, ça c'est sympathique. Et lui, donc ça, alors lui c'est un dirigeant qui est nouveau, qui est un dirigeant du DLC, c'est pas indiqué, j'ai pas l'impression, qui est spécialisé dans l'exploration spatiale. Qui permet d'obtenir deux de soutien par tour pour chaque nouveau corps céleste développé jusqu'à un avant-poste. Fonder une ville avec un QG robotisé au lieu d'un QG habituel. Mission martienne, donc il va permettre de développer les missions martiennes et l'exploration. Donc je vais le prendre lui, hein, parce que on est là pour découvrir le DLC. Écoute, prometteur, ça. De ce que j'en ai testé. On verra tout à l'heure la partie un peu avancée où je suis. Franchement, pour ce que j'ai testé, il coûte 7 balles de base. 7 euros. C'est quand même pas un coût qui est considérable. Et je trouve que ça, ce que ça rajoute, ça me semble tout à fait valable pour le prix proposé. Très sincèrement. Je trouve. Voilà. Donc effectivement, je vais pouvoir dézoomer. Et ce que on ne pouvait pas faire avant. Avant, on était bloqué sur cette vue-là, hein, en dézoom. Et en dézoomant, on découvre notre système solaire avec nos différentes planètes. Et on va voir, alors c'est une bêtise de le faire tout de suite, mais je vais quand même le faire. Je vais lancer une expédition extra-martienne et non pas extraterrestre. Puisque donc c'est vraiment le corps du DLC, hein, le corps des apports du jeu. Si je clique là-dessus, poum, j'ai un event qui apparaît. Donc, comme tous les events, hein, je peux le réduire. Il se met dans un coin. Et puis, tant que j'ai pas terminé mon tour, enfin, je ne peux pas terminer mon tour tant que j'ai pas résolu les différents events.
Donc, j'ai des colons qui veulent se partir vers l'inconnu. Si j'ai ça, bah, je vais avoir le choix. Alors, cet event-là, il va pop tout seul, régulièrement, de toute façon. Mais avec ce personnage-là, on peut en lancer d'autres. Donc, j'ai le choix de coloniser Vénus, Io ou Cérès. Et donc, chacune de ces colonies va avoir trois niveaux de développement possibles. Avant-poste, puis village, puis colonie. Sachant que pour développer au niveau colonie, j'ai l'impression que enfin, ça se fait pas tout seul. Autant, enfin, de avant-poste et village, il faut faire des choses de toute façon, mais de village à colonie, je n'ai pu le faire qu'avec un projet spécifique. Donc voilà, Vénus va donner de la chaleur, mais va faire perdre du soutien, ce qui serait une grosse bêtise vu mon niveau d'exigence. Donc je vais certainement pas choisir Vénus. Io apporte du silicate et permet de relancer les volcans pour des ressources en moins. Et Cérès apporte du titane, de l'eau et des astéroïdes, qui est un event qui apparaît régulièrement, de façon plus régulière. Je pense que je vais choisir de coloniser Cérès. Hop, nouvel horizon. Alors, j'ai. Alors oui, si j'ai. Ah ben j'ai pas vu, j'avais pas vu. En fait, j'en avais un de base. Donc là, maintenant, je vais en avoir deux. Alors, celui-ci, il est spécifique à Cérès, puisque c'est celui que je viens de créer. Celui-ci, je pourrais choisir la planète que je veux coloniser, la planète ou l'astre, plutôt la lune que je veux coloniser, quand j'aurai mis au moins un point dedans. Un point d'énergie. Donc pour l'instant, je vais rester là. Comment est-ce que je peux mettre des points dedans? Eh bien, je ne peux pas pour l'instant, il faut des routes commerciales. C'est un peu con. Je n'avais pas pensé à ça. J'espère que j'en aurai vite fait. Quelques infos sur les astres, genre que sont Cérès, Vénus, Io. Eh ben non, un petit. T'as raison, c'est vrai que ce serait bien un petit peu de lore, enfin qui serait. Non, c'est même pas du lore, c'est de la connaissance scientifique. C'est vrai que. T'as raison que ça manque un peu. Ça coûterait pas grand-chose, c'est vrai, un petit point d'interrogation, un petit clic droit avec une petite encyclopédie ou un lien vers Wikipédia. C'est vrai qu'il pourrait. Alors, je vais parler du développement d'une lune. Donc, pour le faire passer au niveau avant-poste, donc. Je vais devoir donner de l'énergie, donc avec des routes commerciales. Et quand je l'aurai passé au niveau avant-poste, une astropédie, tout à fait. Alors, ce qui est indiqué, ça, c'est ce qui apparaît en haut. Je peux pas maintenir l'infobulle active. C'est ce qui apparaît en haut. Donc, une fois le corps céleste colonisé, il subira une pénurie d'énergie. Donc, il va falloir exporter de l'énergie en plus. C'est ce qu'ils appellent le commerce. Spatial. Il va falloir envoyer de l'énergie en plus. Ça, j'avais pas fait gaffe, c'est pas une très bonne idée du coup, parce que l'énergie, c'est quand même vraiment crucial dans ce jeu, pour augmenter son niveau de développement. Voilà, donc au début, je ne bénéficierai que d'un titane par tour, et du fait que j'ai un peu plus souvent des astéroïdes. Et voilà, quand j'aurai passé au niveau village, j'aurai en plus de l'eau par tour, et encore plus quand j'aurai passé au niveau colonie. Voilà. Alors, retour sur Mars. Je vais devoir placer mon QG. J'ai plein de caillasses, c'est pas génial. Donc, il y a des histoires de bâtiments adjacents qui sont importantes à prendre en compte. Une centrale nucléaire direct, pas du tout. C'est un abri qui est protégé des radiations. Et est-ce que c'est important? Parce que oui, là, tu vois, j'ai. Est-ce que j'ai un niveau de radiation élevé? J'ai pas l'impression. Les habitants et les robots, protégés des radiations. C'est un peu con du coup, parce que j'ai pas de perte de niveau de vie liée aux radiations.
c'est un peu ballot. Donc je vais le construire, il va coûter plus cher pour pas grand-chose. Donc je vais le placer. Je vais placer des bâtiments de. Ah, une centrale nucléaire directe. Bah oui, mais j'aimerais, mais je vais peut-être pas pouvoir. Généralement, je place là. Donc je vais me placer là. Non, c'est. Ah non, pardon, il faut d'abord que je mette mon QG. Je vais le mettre là. Alors, je peux, si ce que je peux faire, c'est tout de suite placer tous mes bâtiments qui me fourniront du soutien par tour supplémentaire. Donc, ça va me permettre. Donc, déjà là, je suis à plus 5. Je suis à plus 5 et je vais passer directement à plus 17 avec ce bâtiment-là. Ce qui est plutôt sympathique pour un début. Ça permettra de voir venir. Et en particulier, ça permettra d'accumuler. Des bonus qui feront que je risque moins de perdre plus tard. Et je dois terminer mon tour ici. Alors, deuxième tour, je dois choisir un bâtiment de plus. Soit de la bouffe, c'est très important. Soit de l'énergie par tour, c'est très important. Soit de la science, c'est un peu moins important. Avec CRS, je vais choisir de l'énergie partout. Donc voilà, je prends des cartes en plus. Là, je vais partir explorer. Je vais partir explorer. Donc j'ai besoin pour pouvoir le construire de tritium que je n'ai pas. Et je ne peux pas en récupérer ici. Donc je vais aller chercher. Par là. Donc à chaque fois qu'on explore, on récupère des ressources. Donc, ils sont indiqués avec les petites icônes au-dessus. Et là, je savais que j'avais un gisement de nitrate. Là, je sais que j'ai un gisement d'eau parce que j'ai des grandes traces en eau. Pour les autres, si c'est une petite icône, bah, c'est une petite trace. Parfois, on va avoir aussi des lieux d'exploration qui vont donner des points de soutien direct. C'est-à-dire, ce ne sera pas du soutien par tour cette fois-ci. Et voilà. Et je termine mon tour. Hop. Alors, on a régulièrement des events qui vont pop. La Fondation X-Mars qui propose une large dotation monétaire afin de faire avancer la recherche dans un domaine particulier. Et donc, on doit choisir donc, soit un labo supplémentaire, ou un module d'habilitation supplémentaire, ou une ferme de tubercules pour des nitrates. Eh bien, on va aller sur de la bouffe. Alors, j'aurais dû regarder avant. Alors, je peux revenir en arrière, puisque, voilà, tant qu'on n'a pas fait un event qui, d'une façon ou d'une autre, a un lien avec la chance, donc, bah, typiquement, si un event comme ça apparaît, c'est un événement qui a fait un lien avec de la chance. Si j'explore et que j'obtiens un certain nombre de ressources, ce sera un lien qui a un rapport avec la chance. Par contre, tant que je n'ai voilà, fait rien d'autre, je peux faire un peu ce que je veux et revenir en arrière. Donc là, par exemple, je vois que dans les cartes qui me sont proposées au début du tour, ah bah ceci dit, j'ai déjà tout. J'ai un module d'habitation, j'ai une ferme de tubercules et de nouveau un thermogénérateur. Est-ce que je me prends deux thermogénérateurs? Et une ferme de tubercules. Ouais, je vais me prendre un deuxième thermogénérateur. Histoire là encore d'aller chercher un buff d'adjacence à un moment ou un autre. Et donc, choix de cartes. Hop, il va me falloir beaucoup de tritium. Donc, je pourrais, si je voulais, lancer encore un autre truc comme ça, mais ce serait une bêtise. Je ne vais pas le faire. Et il veut toujours pas me donner du tritium quelque part, c'est bien dommage. Hop, on va partir là-haut. Voilà, donc à partir de cet event-là, hop, je peux pas revenir en arrière. Je suis coincé. Une route commerciale, ça tombe drôlement bien, j'en avais drôlement besoin. Voilà, la station de résonance, c'est exactement ce que je veux. Donc je vais pouvoir placer mes deux bâtiments autour de la station de résonance.
ce qui leur permettra de générer non pas un chacun, mais deux chacun. C'est très, très, très important. Hop. Alors, ça coûte cher, hein, 22 de silicate. Mais c'est pas bien grave. Alors, on voit, j'ai un petit. Une population. Quand on construit. Donc, le QG, ça apporte une population de base. Et toutes les populations en plus que l'on obtient, que ce soit des populations humaines ou robotiques, là, je pourrais avoir deux robots. Ça va donner des. Ça va permettre donc d'aller se développer, en fait, s'installer sur les zones qui sont autour de la ville et de pouvoir les exploiter. Donc, par exemple, si je m'installais sur cet aquifère, je pourrais construire une mine d'eau. Ça me coûterait de. Comment? Ça me coûterait de l'énergie et du titane, mais ça me donnerait un revenu d'eau de 1 par tour. Autre possibilité, je pourrais extraire de l'eau pour les océans. Donc ça, j'en ai pas encore parlé, c'est les paramètres de terraformation. Ils sont 4, hein, la température, l'oxygène, le niveau des océans et l'atmosphère. Pour ceux qui ont déjà joué à Terraforming Mars, c'est des valeurs qui ne devraient pas vous surprendre. La seule chose qu'il n'y a pas dans Terraforming Mars, c'est la notion d'atmosphère. Mais les trois autres, on les connaît bien. Voilà, et donc on va avoir des bâtiments qui vont nous permettre d'augmenter ces valeurs par tour. Pour les océans, en général, c'est plutôt soit avec des projets spatiaux. Donc par exemple, on va importer de l'eau depuis d'autres corps célestes. Soit bah, justement, en extrayant l'eau, on va augmenter de 10 d'un coup. Donc 10 sur 30, le niveau de l'eau. En début de partie, on a beaucoup besoin de ressources, hein, donc je ne vous cacherai pas que, en général, on va plutôt aller chercher je vais y arriver, les mines. Donc là, bah, typiquement d'ailleurs, je pense que je vais aller me faire une mine d'eau, donc je vais hop, me développer ici et construire une mine qui va me rapporter, pouf, j'ai un petit plus un qui apparaît ici, un d'eau par tour. Les niveaux de terraformation, les océans inondent nos installations, si on... tout à fait. Alors là, on ne le voit pas encore, mais c'est plus quand on s'approche des pôles. Donc les pôles, ils sont visibles ici. Bah, je pense que bah, j'irai voir par là assez rapidement. Et l'autre pôle, il est par les pôles. Léopopole. Base Borealis. Doit être par là, l'autre pôle. Il doit être trop loin pour que je le voie. Effectivement, il y a des zones qui sont susceptibles d'être inondées si le niveau des océans monte trop. Donc il faut y faire un petit peu gaffe. Ben, je vais vous montrer. Hop. Alors là, ça apporte du soutien, de l'eau et du titane. Voilà. Donc là, on a ce petit symbole. Hein. Ce niveau sera submergé si les océans montent au niveau 3. Donc sachant qu'il y a trois niveaux de possibles pour les océans. Mais il est possible de construire des bâtiments qui vont limiter ce de, enfin qui vont en gros augmenter le niveau de 1, le danger de 1. Ce qui va faire que ces zones-là à 3 ne seront jamais. Ouais, là, je peux, ah non, voilà, je peux construire des digues océaniques qui me coûtent 3 de titane et qui vont augmenter de 1 la limitation, donc en fait on ne risque rien sur cela. Par contre, ceux à 2, 1 ou 2 sont susceptibles d'être inondés si vous faites monter le niveau des océans. Mais vous pouvez très bien augmenter les autres paramètres et ne pas vous occuper du niveau des océans ou vous en occuper peu si vous ne voulez pas perdre certaines zones critiques pour vous. Alors, celui-ci il est aussi drôlement important. Bon, là on va peut-être se calmer sur le thermogénérateur, quoique. Si j'arrivais, voilà, on imagine, hein, si j'arrivais à placer ici, ou là, voilà, si je plaçais ici le centre de résonance, et puis 1, 2, 3 thermogénérateurs, ça me ferait plus 6 d'énergie par tour, ce serait très 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 bien. Mais bon, ça fait peut-être un peu too much. Tiens, je ne me suis pas occupé de... Mais quelle zouave! Je ne me suis pas occupé de ma route commerciale au tour précédent.
Donc typiquement, bah, là c'est celui de Cérès. Hein. Alors c'est bizarre parce qu'en fait, il n'est pas indiqué à quelle mission ça correspond. Donc j'ai deux possibilités hein, pour mes routes commerciales. Soit je fais avancer les projets spatiaux. Donc ça va me coûter ici un d'énergie et ça va l'injecter dans ce projet spatial. C'est ce qui est indiqué ici. Autre possibilité. Alors j'ai une possibilité de retirer toutes les zones commerciales quand on en a beaucoup ça, et qu'on veut réorganiser autrement, c'est plutôt pratique. Autre possibilité, ben, je peux dire, ben, voilà, je produis de l'eau maintenant, et ben j'expédie cette eau en général sur la Terre. Là, je ne vais pas pouvoir valider parce que j'ai une différence. Et puis, ben, j'ai besoin de tritium, par exemple, pour développer les zones. Hop, ça va faire qu'à chaque tour, je vais envoyer un d'eau et récupérer un tritium. Là, mon objectif, ça va être d'essayer de développer CRS. Et donc, je vais le faire. À la mesure. On va avancer. On va faire celle qui nous coûte, pardon, le moins d'énergie. De toute façon, l'énergie, voilà, c'est hyper important. Mais, explorateur perdu. Une pionnière portée disparue depuis l'une des toutes premières expéditions martiennes a été retrouvée vivante seule dans sa base. Alors ça, c'est la première fois que j'ai Steven. Tiens. Elle a bâti son propre abri et a construit une petite serre pour se nourrir. L'existence de la colonie est une surprise pour elle, puisque ses scanners sont en panne il y a longtemps. Son aventure passionne les foules et les compétences qu'elle a acquises à travers cette épreuve pourront la conduire à un poste de dirigeante. Waouh. Alors là, bah, du coup, je pense que ça m'a débloqué cette Camille Williams. À mon avis, maintenant, je l'ai débloqué. Pour plus tard, pour d'autres parties. De niveau 2, qui a voilà, un certain nombre de pouvoirs. Alors, je peux l'accueillir en héroïne, ça me donne 75 de soutien, donc c'est du direct, hein, c'est pas du par tour. Ou alors, je peux lui donner la place, la faire changer mon dirigeant directement. Techniquement, ce serait plutôt un bon plan. Alors, il faut que je regarde. Parce que ça, c'est très bien. Explorer un lieu et récolter plus de ressources pour chaque indice de gisement, ça me permet de récolter davantage de ressources immédiatement. Recherche de terrain produit plus 7 de science, plus 7 de nourriture ou plus 7 d'énergie. Waouh! La compétence. Troisième autre. Non, ce serait quand même pas les trois d'un coup, ce serait complètement pété. Troisième compétence active, excavation, qui permet de récolter, voilà, de surexploiter certaines zones. D'accord. Et autonomie, les villes sans aucun robot et avec un seul habitant peuvent avoir trois bâtiments supplémentaires. Oh. C'est pété, mais tu te retrouveras avec une sociopathe qui a tué. C'est possible. Mais on aime les sociopathes. Bon, le buff est pas ouf. Mais bon. En même temps, ça, c'est bien sans être exceptionnel. Celui-là, de toute façon, je le garde jusqu'à la fin de la partie. Ça, je vais certainement pas le réactiver. Moi, j'ai tout intérêt à la prendre. Ne serait-ce que pour ça, de toute façon. Ça va me donner plus de réserves, plus de ressources. Donc, de toute façon, c'est intéressant. Celui-là, il est quand même très bien. J'imagine qu'on a le choix entre les trois. Si on le fait. Donc, hop. Le soutien, on va dire que ça va suffire. Et voilà, j'ai recruté Camille Williams. Donc j'imagine. Alors j'ai pas accès. Hop, je peux vérifier vite fait. J'imagine que maintenant, elle est débloquée. Hop, dans la Marscyclopédie. Dans les dirigeants. Dirigeant de milieu de partie. Ouais, elle est ici. C'est ça. Très bien. C'est quelle? Difficulté 28.
Et qu'est-ce qui te dit qu'elle a tué tout le monde d'abord, hein? Peut-être que effectivement, sa vie a été un enfer. Une compétence a déjà été utilisée ce tour-ci. Alors, il faut que je vous fasse une carte. Donc là. Franchement, j'hésite. Mais bon, je vais me prendre quand même une habitation. J'en aurais besoin aussi. J'en aurais besoin aussi. Hop, voilà. Et donc là, j'ai eu un satellite d'exploration gratuit. Celui-là, il est indispensable. Donc on voit, hein, j'ai transféré un truc d'énergie directement dans la mission martiale. Fallait fouiller sous les serres. Ouais, pour voir s'il n'y avait pas des restes. Pas le genre de la maison. Donc il y a bien 5 actions possibles. Donc le satellite que je viens de débloquer, il est ici. Tous les 3 tours, ça me permet d'explorer une zone pour rien. Ça me coûte pas d'énergie. Hein, c'est une étude gratuite, une recherche gratuite qui coûte pas d'énergie surtout. C'est absolument fondamental. Tiens, je vais voir par là. Plus de silicates. Et puis un event, hein, une caisse de cargaison de nourriture gratos. On aime bien, voilà, celui-ci sera inondé quand les océans monteront au niveau 2. Et donc je vais pouvoir explorer. Donc là par exemple, ce truc, hein, ce plus une de ressources pour chaque indice de gisement, ça correspond, je pense, c'est comme ça que je comprends, hein, au fait qu'il y ait des grandes traces où il y a des gisements. Voilà. Il y a des gisements et puis il y a des grands gisements. On verra peut-être un peu plus tard. Donc là, par exemple, si je fais ça, hop, je récupère du nitrate, du titane et j'ai un gisement de base. Et sans doute que je n'en aurais récupéré que 4 des titanes si je ne l'avais pas fait avec elle. Je ne peux toujours rien construire. Si je peux construire cela. Alors, pour construire cela, il va falloir que je vire ces cailloux. Il m'embête un peu, mais il faut que je le fasse. Il m'embête parce que je dois les enlever, parce qu'en fait, là, par exemple, je ne peux pas accéder à ces zones-là, parce qu'il y a des rochers qui bloquent. Et ça me coûte de l'énergie pour pas grand-chose. C'est juste le truc chiant. Je vais le mettre là. Mais pour l'instant, je vais me réserver la possibilité. Bon, c'est important quand même d'avoir aussi de la bouffe, voire mettre plus de population. À long terme, c'est important. Là, logiquement, je voudrais mettre un autre bâtiment de bonheur et une autre habitation ici. Comme ça, en général, quand j'ai cette disposition-là, je mets une habitation là, une habitation là, une habitation là, une habitation là. Et puis deux trucs de bonheur. Qui permettent de booster le soutien par tour. Donc ici, ouais, j'ai du coup en termes d'adjacence, si je me dis que je veux mettre là mon énergie, là, là et là, sur ces 3-là pour l'instant, parce qu'il faut que je fasse gaffe. Si je sais que là je veux mettre une habitation, je dois éviter de placer une centrale à énergie ici. Parce que sinon. Ça va faire. Je vais perdre du soutien par tour. Je peux le faire, hein, mais je vais le placer là. Et on verra comment je m'organise ensuite en fonction de ce que j'obtiens. Donc, voilà, bah, typiquement, plus 5 de base, plus 2 par habitant adjacent. Des petits robots, de la science. Allez, on va continuer à booster le soutien. Je sais que ça va être le truc compliqué dans cette partie. Donc, on va essayer de se donner un tout petit peu d'avantage. Plus de 26 par tour, c'est beaucoup. Ok, ça roule. Merci, Lucine, pour ton passage. Et bon Rock Trader. Voilà. Et donc, j'ai encore une mission d'exploration spatiale avec des âmes courageuses. Je peux aller sur Jupiter, pardon. Plus 3 d'atmosphère par tour, plus 1 de protection contre les radiations à l'échelle planétaire, plus 5 en atmosphère.
Du soutien par tour sur Saturne, avec du confort de vie, qui est aussi très important, et de la science ensuite. Et sur Europe, les océans. Et avec des déficits en titane, en nitrate ou en nourriture. Eh ben, qu'est-ce que je vais choisir? Soutien par tour ou océan? J'ai envie de prendre les océans. Du nitrate, j'ai des gisements juste à côté de moi, donc je suis susceptible d'en récupérer assez rapidement. Bon, en vrai, c'est une. Vous êtes plutôt quoi? Vous êtes plutôt Saturne ou plutôt Europe? Parce que du titane, je vais aussi en avoir. J'ai aussi un gisement pas loin. Allez, je vais prendre Europe. Voilà, nouvel horizon. Ah bah non, d'accord, c'était celui-ci. Ah bah pourtant, j'ai rien mis dedans. Ou alors si c'était celui-là, je sais pas. Bon, donc c'est peut-être celui sur Europe que je suis en train de développer. C'est pas bien grave. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire encore de la bouffe, une habitation ou incinérateur de déchets. Saturne Paron. Nous ne sommes pas sortis de la cuve du Pilaire. C'est la fête au jeu de mots avec Mazara et Caneton. Plus un d'énergie si au moins 3 de nourriture sont produits dans la ville. Alors ça coûte pas cher, mais il faut produire les 3 d'énergie. Les 3 de bouffe, pardon, pas 3 d'énergie. C'est bien, mais c'est pas ouf. Le problème, c'est que pour l'instant, je produis pas assez de bouffe. Je vais me faire un autre truc de. Hop, un autre truc de bouffe. Justement. Alors, on peut importer. Je crains que non. Ce jeu est très mal fait, je te l'accorde. Qu'est-ce que je vais aller explorer? Eh ben, j'ai besoin de nitrate encore. Hop. Plus 5 de nitrate. Ah, avec un sol riche. Et voilà, donc celui-ci, ça donne. Ce serait un très bon lieu, puisque plus 2 de nitrate. Un grand gisement. Ou alors un complexe agricole, au choix. Pour ça, il faut que je m'y installe, mais. Et j'ai ma plateforme d'atterrissage qui est là. Et pour ça, il me faut un de population en plus. Je pourrais avoir une deuxième route commerciale, mais il faudrait que je puisse m'installer. Et pour l'instant, je ne peux pas. Donc, alors du coup, quel est le projet que je développe? C'est Europe ou c'est Cérès? Je vois pas. J'ai pas d'indicateur qui me permette de savoir où j'en suis. Ça c'est un vrai souci, je trouve. Je pense que c'est un truc qui sera patché vite fait, à mon avis. Je vois que ça. C'est possible. Et voilà. Donc là, c'est le principe de l'espérance, du soutien par tour. Voilà, donc plus on avance, plus les tours passent, plus on a besoin d'augmenter le soutien. Donc ça monte très très vite. Confort de vie. Avec plus de population, je risque d'avoir pas mal de population dans cette ville. Dans ma première ville, ça serait bien. Et puis bah c'est pareil, ça booste le soutien. Hop. Je vais donc le faire. Ici. Hop. Donc le confort de vie, c'est une valeur que l'on a ici. Hein, voilà, chaque habitant génère autant de soutien que le confort de vie. En gros, c'est du soutien par tour. Enfin, c'est du soutien par tour par habitant. Explore-moi ça. Hop, encore de la nourriture, comme ça je peux installer. Mais non, je peux toujours pas m'y installer. Suis-je bête? Alors si je pourrais abandonner ici, je pourrais lâcher la mine. Ah oui, non, sinon ça détruit le bâtiment, ce qui serait quand même très très cool.
Et je pourrais faire de la bouffe. Hop, m'installer là. Bon, j'ai toujours pas installé mon énergie. Alors, avancée technologique, ça régulièrement, on va avoir des projets de recherche qui vont tomber. Et qu'on va pouvoir donc construire. Production, voilà, donc il faut choisir. On a toujours le choix entre trois. Chaque nouvelle route commerciale créée aurait les routes des mines. Ouais, ça c'est bien. C'est bien, c'est toujours du soutien par tour. Ça c'est de la production d'eau quand le niveau des océans augmente. Ce qui arrivera tôt ou tard. Vu comme je suis parti. Ouais, je vais prendre ça quand même. Protection contre les radiations. Tant que les températures de la ville sont négatives. Encore une serre pour produire de la nourriture et de l'énergie. Encore. Donc ça, les projets qui ont un fond marron, hein, c'est les projets qui ne peuvent être installés que sur des cases de la planète. Les projets bleus vont être construits sur les villes et les projets, enfin bleu-violet, et les projets bleu foncé vont être installés. Donc c'est des. Eux n'ont pas de limite. On peut vérifier, voilà, tous les 16 tours. J'aurai une nouvelle technologie qui me sera proposée. Projets spatiaux, spécialisation. Voilà. On a ici un résumé. Voilà, donc les technologies, on peut en développer autant qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Qu'est-ce que je vais choisir du coup? Ça c'est bien, mais on va dire que j'en ai déjà. Et de toute façon, j'ai pas de population. J'ai besoin de population. Protection des radiations. Ça c'est encore de la production de bouffe. Là du coup, j'en produis deux. Je pourrais en mettre un troisième ici. Ah ben non, parce que là, on a dit que c'était de l'énergie que je mettais. Alors du coup c'est presque un peu con, je pourrais me dire que je prends un troisième, que je prends encore un truc de, si que je peux encore produire de la nourriture. Alors j'ai mon satellite, ce qui va me permettre d'explorer. On va aller chercher. De quoi ai-je besoin? J'ai besoin toujours de tritium, mais il veut toujours pas m'en proposer. Hein. Il a décidé que il voulait pas. Si là. Tac. Alors, ça c'est une ville qui est souterraine. Les villes souterraines, on peut s'y installer. Hein, pour ça, il faut de la bouffe et de l'eau. Les villes souterraines ont beaucoup plus de cailloux à déblayer. Mais ont l'avantage d'être protégées des radiations. La protection des radiations, plus 4. Parce que c'est enterré. Donc c'est un peu moins craigneux. Explorons. Alors ça, si j'avais été malin, j'aurais exploré avec ma boss et avec ma dirigeante, et ensuite j'aurais utilisé le satellite. Ça m'aurait économisé de l'énergie. Bon, je vais continuer d'explorer par là. J'ai besoin de tritium que je n'ai pas, de silicate, mais j'en. Enfin non, de silicate en soi j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Ouais, bénéficie d'avoir un peu de science. Allez. Plus un de science pour chaque palier de 3 robots. Pour l'instant, j'ai pas du tout de robots. Entrepôt des finisseurs, ça c'est pas mal pour fournir de l'expansion en plus. Plus 4 de soutien pour chaque amélioration de lieu planétaire fournissant du soutien ou du confort de vie et qui appartient à cette ville. Mouais, bouf. Enfin, ça peut être bien, mais pas vu ma configuration. Puisque j'ai pas de zone qui apporte du soutien. Ça, par contre, tôt ou tard, c'est aussi très très bien. Alors, si je pourrais. J'ai combien? J'ai 14 de titane. Je pourrais faire ça. Le clic droit qui va pas bien. Je pourrais faire ça.
Là, je mettrais volontiers des petits robots. Parce que... Oh non, tu me diras... Ouais, c'est pas forcément dramatique. Ouais, je vais faire ça. Je vais m'installer ici. Tac. Donc ça me donne 3 lieux pour m'installer. Donc typiquement, bah, Alors, je pourrais faire plusieurs choses. Je pourrais aller chercher le gisement de nitrate, voire le sol riche. Sauf que j'aurais pas assez de titane derrière. Ou faire ma zone commerciale, ma plateforme d'atterrissage. Là, j'ai rien à y gagner. Alors, on remarque, ouais, ici, on voit que si je m'installe ici, comme il y a plus de trajets à faire, ça va me coûter du soutien par tour. Ce qui n'est pas génial. Dans l'immédiat, je vais installer ma plateforme d'atterrissage en plus. Hop, plus une zone commerciale va me permettre d'augmenter encore. Sauf que je vais être vraiment à la dèche très rapidement. Donc je vais avoir plus rapidement du développer je ne sais pas laquelle, CRS ou. Alors je peux toujours faire ça, mais. Là, de toute façon, alors on remarque ici, hein, il vaut mieux que j'évite. Si j'y vais, je dois passer dans une tempête de sable. Ça me fait perdre 5 points de soutien. Donc à éviter. Hop. Voilà. Alors, ah, elle m'a dit, comment ça se fait? Elle a fait ses 10 tours, hein, cocotte? Ah zut! Zut, zut, zut. Donc tous les 10 tours, on change de dirigeant. Ce qui est un peu con. Parce qu'en fait, je me disais que je l'aurais pendant 10 tours. Et c'est pas le cas. En fait, c'est. Même si on change de dirigeant au milieu, eh ben, on doit quand même changer de dirigeant. Alors ça rajoute, ceci dit. Une compétence de spécialisation. Alors apprentissage, augmenter votre production de science de 1 à chaque fois qu'on fait 6 robots. 2 projets supplémentaires, générer 5 d'énergie. Ouais, je vais choisir plutôt lui, donc lui qui va me faire augmenter la prod de nitrate. Je vais faire plein de nitrate. Convertissez un gisement aquifère inutilisé en océan. Ah, d'accord. Gratuitement. 5 de nourriture. L'agriculteur. Tac. En plus, en ce moment, il faut soutenir les agriculteurs. Il paraît. Donc. Ça commence vraiment à être dramatique pour l'énergie. Je sens que je vais générer de la bouffe. Enfin non, quand j'aurai terminé ce projet-là, je ne me lancerai pas tout de suite sur le deuxième. Et j'importerai de l'électricité parce que c'est juste pas possible autrement. C'est vraiment dramatique. Il parie, oui. Oh, 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 oh. Générons. Ça, je peux pas m'en servir. Sélectionner un aquifère. J'ai pas d'aquifère actuellement disponible. Si, alors je pourrais aller là. Tiens, on va tester ça. Je vais faire ça. Ça me coûtait 3 d'énergie, ce qui est une connerie. Mais je vais quand même le faire. Pim, 6 d'eau, 2 titane, 2 silicate, de la bouffe. Aquifère géant. Et ça générerait 30. Ça me permettrait de. Ouais, ce serait bien ceci dit ça. Je vais voir si je peux le faire. Si je peux le faire, c'est une très très bonne chose. Ça augmentera en plus mon soutien. Je peux faire une population de plus, mais pour ça, ça me coûterait de l'énergie. Comment dire?
Si ça me coûte de l'énergie, je peux pas débloquer CRS. Donc je vais pas le faire. Je peux générer de la bouffe, mais j'ai pas d'emplacement où le mettre. Parce que tout ça, c'est plus ou moins réservé. Peut-être ici. Mais j'ai pas vraiment besoin de bouffe en plus. Ah oui, il faut que je prenne une carte en plus. Alors si aucun ne me plaît, hein, je peux toujours faire ça. Et transformer et récupérer un point de science. Ce qui est quand même pas ouf. C'est pas ouf, c'était quoi ça déjà? C'était un soutien à chaque fois qu'une nouvelle route commerciale est créée. Je crois que c'est rétroactif. Je vais prendre ça, c'est quand même une bonne habitation. Voilà. Ça monte vite. Ça monte très très vite. Chaque habitant plus 3. Là, on produit plein de bouffe. Plus 1 d'énergie à chaque palier de mine qui appartient à cette ville. Ça c'est pas mal aussi. Avec plus 9 de silicate. Je pense que je vais prendre. Celui-ci est bien aussi. Plus un robot et chaque habitant adjacent fournit plus 2. Là j'ai deux bonnes cartes. Mais j'ai trop besoin d'énergie. Et de toute façon j'en ai besoin. Et puis des mines, je suis susceptible d'en avoir un certain nombre. J'ai quand même 1, 2, 3 villes à proximité. 3 mines à proximité, donc je pourrais en bénéficier au moins d'une fois de ce buff. Et puis en plus, autre avantage. C'est que cette source d'énergie ne me coûte pas de soutien par tour si je le mets ici. Comme je veux mettre une habitation ici, bah tiens, je peux le faire du coup. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait au tour précédent d'ailleurs, mais du coup, ça c'est très très bien. Ah, sauf que non. Ah non, j'ai pas fait gaffe. Ça me le génère pas tout de suite. Parce que il faut que j'ai construit les mines en question. Bon, tant pis. Alors, eh oui. Ça me. Ah non, je peux pas parce que j'ai pas l'énergie pour. C'est vraiment dramatique. Bon, c'est pas très grave, puisque de toute façon, ce que j'ai prévu de faire. De toute façon, il faut que j'économise mon énergie. Parce qu'en fait, je veux terminer ma mission. Ah non. J'ai ça à faire encore. Mon petit satellite. Alors, le petit satellite, si je vais jusqu'au pôle, hop, ça me donne directement des points d'atmosphère et de chaleur, un peu de titane, du nitrate. Et je peux, contre 3 tritium, larguer des bombes. Ça va augmenter le niveau de radiation pour 3 tours, ce qui n'est pas dramatique. Et ça va me donner d'un coup 10 d'atmosphère et 10 de chaleur. Voilà. Donc, hop, je suis arrivé à 10. Ça, c'est très bien, c'est à prendre aussi. Ça génère de façon passive hein, de la chaleur de l'atmosphère contre le coup. Donc, c'est à prendre. Je vais activer mon projet. Ah, je peux activer celui que je veux. Ok. Titane ou océan? Eh ben, je vais faire du titane. Et là, c'est quoi? C'est en fonction de mon nitrate. Mais là, c'est contre l'énergie. L'énergie, j'en ai tellement pas en ce moment que je vais faire hop. Donc ça me débloque, voilà, j'ai mon premier avant-poste, ça augmente mon niveau d'océan, les prérequis pour les formes de vie marine. Voilà, je suis maintenant à 10 sur 30. Voilà. Suis juste. Heureusement que j'ai pris beaucoup d'avance et que j'ai eu un bon début au niveau du soutien partout. Ceci dit, je vais arrêter la VOD ici. Pour cet épisode, et puis je vais en faire un deuxième, je vais enchaîner donc sur ma partie qui est un peu plus avancée, que je vais
montrer, voilà, montrer un peu ce que ça donne. Donc je vais, vous pouvez dire au revoir à la VOD si vous suivez encore ce live. Et je vais donc derrière relancer tout de suite une partie. Mais je redémarre, Kaneto, ne t'inquiète pas. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, chers amis youtubeurs, pour nous dire un peu ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve très bientôt. Je vous fais des bisous.